cela est, ma foi, fort intrigant. Quel cadeau un kidnappeur peut donner à la personne à laquelle il lui demande une faveur? C'est complètement con. Bien, il n'y a personne en face de moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne comprends pas. Y a personne? Ça veut dire quoi? Je sais pas. Puis j'ai rien fait. Eh bien. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce que... Pardon. On va dire que c'est de ma faute, n'est-ce pas? Une balle? Ça me rappelle quelque chose. Elle suit la même lignée que son père. C'est incroyable. Ouais, m'avantager, c'est vite dit. Mais qui a parlé? Ah mon dieu. Une musique héroïque pour un personnage héroïque. Oh. Comment dire cela? Déjà que tu vas me dire, moi c'était pas un cadeau. À l'épaule droite? Mais ça me rappelle quelque chose. Son père! Incroyable, ils ont la même destinée! Ah ouais, me battre! Un bon vieux combat comme à l'ancien temps. Tu me fais plaisir. Ah oui, c'est vrai, il est censé être viré. Tu vas me manquer. Il est revenu comme il était. Allons-y. Ça va chier les briques. Effectivement, jusque-là ça se tient. Effectivement, ça se tient toujours. C'est toujours cela. Comment ça? Comment ça, elle les tue à guitare avec quelque chose de louche? De quoi tu parles avec cette tuée de guitare? Une guitare. Non. Une guitare. Qu'est-ce que... Ah oui! Tu sais, il y a effectivement quelque chose de louche. Il n'y avait pas une guitare. C'est un comble. J'ai mon fil de micro qui est beaucoup trop loin. Voilà. Oui, mais on s'en fout. Il y a quelque chose de bizarre. Bah oui, il n'y avait pas de guitare. Complètement simple. Bah ben voilà, regardez, même lui il le savait. Non mais vous êtes con en fait. Ah. Des gants. Là ça a utilisé des gants. J'en suis sûr. Oui, bah continuons sur cet étui.
C'est complètement con. C'est extrêmement stupide de sa part. Si tu veux. Merci de me rappeler des choses banales. Hein, n'est-ce pas? Je peux pas avoir accès à mon dossier de l'affaire. Zut, flûte. Bordel à cul. Vide mouillé, mais seulement au-dessus. Alors, prise de risque sur l'étui. C'est pas ça, c'est trop bien. C'est génial. Merci beaucoup, monsieur le juge. Je réfléchis. Laissez-moi réfléchir un instant. Laissez juste réfléchir 2 secondes. Juste 2 secondes. Bon. Réfléchissons. Ah bah oui. Ah bah je sais. Attaquer. Comment peuvent-ils en être aussi sûrs? Voilà ce que je voulais dire. Un amateur. Tu oses me traiter d'amateur là? C'est bien ce que t'es en train de dire. Ce bandana. Abandonna. Une bandana. Oui, c'est bien, mais... Abandonna. Ah! Oui! D'accord. Et le couteau, à quoi sert-il? J'ai un rapport d'autopsie qui a été ajouté. À quoi ça va me servir? Je vous le demande. Non, mais... Ouais, ça suffit. J'en ai marre. J'en ai vraiment marre, hein. Hein, je ne vous cache pas. Ouais. Jusqu'à c'est sûr. Ouais. Vas-y. De l'or. Youhou. Trollolo. C'est génial. Deuxième déposition. Le Billy dans la camane, truc dans le. Pourquoi tu dis des noms techniques? Nakamana. Gluant. C'est dégueulasse. Le bouton de Billy. Incroyable. Oh là là, que de preuves qui accusent notre client. Personne ne s'en doutait. On n'avait pas deviné. Oh là 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 là. Non. Je vais tout de suite changer d'expression faciale. Car dit que je vais pas être trop bien. M'en fous.
Parle-moi du bouton de Billy! Les cons, c'est ça. Un coup d'œil. C'est n'importe quoi. Menteur. Du fil. Du fil. Des aiguilles. Et une machine à coudre. Tels étaient les ingrédients pour faire croire que Matt Hogard était coupable. Waouh. La logique de fou. Je suis sûr que personne ne savait que tout était relié avec du fil. Incroyable. Là, attends, la cam, d'accord. Ça trash talk. Évidemment, il n'y avait que ces empreintes digitales. Normalement, sur la lame, à l'envers, avec ses pieds peut-être. Vous êtes débiles. Justement, comme il est couvert, on pourrait dire que c'est un couvert qui a servi l'arme du crime. Merci à tous ceux qui ont rigolé pour cette blague de merde. Je le pense sincèrement. Ou pour manger, je sais pas. Il a acheté un couteau pour remplacer un autre couteau. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Réfléchir. Ah, mais vous savez que c'est dur. Et un couteau. Tout cela est... Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon. Je suis dans la merde. Ouais, d'accord. Voyons, voyons. Il faut réfléchir attentivement. Ah, merde, j'ai raté. Excusez-moi, j'ai raté. Ici. Alors, je voudrais présenter ce couteau. Alors, attendez. Ah oh! Je l'avais pas vérifié! Il y a marqué Gatewell Retour, le nom de l'hôtel. Donc, ça veut dire que c'est l'hôtel qui l'a acheté. J'ai frappé mon coude contre un meuble, ça fait mal. Alors comme ça, exactement, c'est pas professionnel du tout. Est innocent. Exactement, parce que tu es aveugle. Eh ouais. Vas-y. Oui, exactement. Oui, cherche un peu, s'il te plaît. Tu viens de comprendre, c'est super. Il a été... comment déjà
Une très grosse. Non, tu ne finiras pas ta phrase. Je ne sais plus comment on dit ça. Je suis dans la merde. Oh, merci. Oh, cette musique, tellement classe. Oh, j'aime ça. Tu ne fais plus partie de la brigade. Meurtre involontaire, ça y est, j'ai trouvé. Bah. Exactement, dans la chambre. Comment cela? Oh, des nounours. Un couteau et une fourchette. Et une bouteille, s'il vous plaît. Ce maudit couteau? Bah, je sais pas. Et une fourchette. Tiens donc, oui. C'est donc cela qui m'intriguait. Pour tuer ou pour le dépanner d'un couvert? Pourquoi on voit toujours le mal partout? Ah là là. Moi je dis que c'était involontaire. Oui, comme Van Karma. Par exemple, hein. Ce n'est pas dans ses habitudes. Ah bah j'en dis que je suis tout à fait d'accord. Pourquoi pas? Oh, très belle métaphore. Eh bien oui. Car j'ai des choses que vous n'avez jamais vues. Est-ce que vous avez déjà vu? Des preuves. Oui, effectivement. Et l'accusation a dit que je pouvais. Ouais, une seule chance que tu m'as déjà donnée une vingtaine de fois. N'allons pas mentir. Ah ouais, alors c'est vraiment une dernière chance. Genre... Ok. Ok, si tu veux, hein. Eh bien, j'ai une preuve importante. Pendant que c'est en train de ramer. Ceci, vois-tu, est en verre. Maintenant, regarde bien ce verre. Voilà. Regardez ça, il y a un désordre magnifique. Et pourtant, le verre est là. Il y a un verre rempli qui n'est pas bu et par personne avec pas d'empreinte dessus. La question est pourquoi? Ah, merci. Vas-y, Hunter. Tu te fous de moi? T'es en train de dire que je me suis expliqué pour rien? Ouais, genre, elle a vu le corps, elle a préparé un verre, elle s'est rendue compte, elle a eu un choc, et boum, elle a appelé les secours. Genre, tu vas me faire croire ça.
Tout cela mérite une réflexion plus poussée. Mais je dirais que c'est totalement impossible, infondé et de la grosse du caca, exactement. J'ai pas de preuve aussi, ouais. Tu m'étonnes. De moi, j'espère. Vas-y, donne-moi la preuve. Est-ce qu'il y a des empreintes? Combien paraît qu'il dit oui? Ah! Bon, moi il est clean. Oh, la musique du flip. La musique de la flip. Et alors? Vas-y. Ah ah! Et c'est celle de Matt, j'en suis sûr. Ah bah, je suis encore plus dans le... dans le pétrin. Je déteste Andrea Landry. Non, parce que en fait, si t'as le verre, tu découvres le corps, tu prends pas la peine de poser ton verre et t'en rendre compte. C'est tu lâches ton verre qui se brise, répand sa substance sur le sol. Ouais, mais franchement, faire. Sans un gros choc. As-tu une explication pour ton explication par contre? Ah ah, tu ne l'as pas. Oh, il trash talk tout le monde. Tellement de suspense. Pourquoi t'as ramené ce personnage? S'il te plaît, dis-le moi. Dis-moi juste que c'est pas une blague. Juste tu me dis que c'est pas une blague. Ah. J'avais oublié cette tête. Oh, trash talk, encore une fois. Oh mon dieu, il nous attaque. Mais ça parle tellement mal. C'est drôle. J'aime ça. La sécurité dans ce costume, tu passes pas inaperçu. Vas-y, envoie-moi du rêve. Par contre, ce serait bien si tu pouvais remettre des habits. Mais des vrais. Mm-hmm. Ah, je vais devoir t'interroger là-dessus. Ah mon dieu. On ne s'en doutait pas. Je n'arrive pas à faire l'effet de surprise. Peut-être parce qu'il n'y a pas d'effet de surprise. Avec plaisir. Oh,
vérifier quelque chose. Genre quoi? Tu es dans un tribunal, tu le sais ça. Les ragots. Oh, bah ça y est. Tu as tout surveillé et c'est là que tu as remarqué quelqu'un. On s'en fout. Tu as vu quelqu'un? Mon Dieu. T'es dans un tribunal. C'est l'air. Oh là là, tellement de suspense. Alors, qu'elle a dit dans sa déposition? J'en loute. Ouais, je suis pas sûr. Je vais... Dis-moi plutôt... Ok. Ce que la personne portait. Complètement pif. Les deux. Ok, la main... Dans la main droite, ouais. Ok, et la gauche. Il ne porte à rien, je suis sûr. Ok, c'était incroyable. Et sur le dos. Ah, t'as pas de questions. S'il te plaît. Ouais, non, on s'en fout en fait. On s'en contrebalance royalement. J'ai dû me tromper de question aussi. Bon. Alors, je vais passer tous ces détails inutiles. Et je vais te demander, exactement ce qu'il portait plutôt. Je pense que c'est une question simple. Du moins, j'espère. Pour toi. Ce truc. Ah bah là oui. Ah oui. Ah mais clairement. Ah mais trop. Objection. Je t'emmerde. Tu es con, Walter. Ah mais ouais. Ah mais trop. Mais là, tu viens de te faire honteusement battre grâce à le bouton de Billy. Exactement, regarde, on a même plus la musique. Numéro 2, comment ça numéro 2? Tu connais... D'accord. Elle connaît l'alignement parfait des boutons par rapport à n'importe quelle partie du corps.
Eh bien, c'est fou. Enfin, ouais. Vous êtes con, en fait. Non, mais tu es con, c'est ça. Oh, est-ce que tu la sens, ta débilité? Est-ce que tu la sens, ta débilité? On s'en fout. Bon, en fait, c'est le même costume que moi, mais en bleu que j'ai. C'est ça. Rebondissement. Trop de twists. J'en doute. Oh, comment c'est trop méchant. Comment il y a du trash talk en fait. Essaye de réfléchir dans ta vie. Ça doit être extrêmement dur, je sais, mais fais-le. On s'en souvient. J'ai vu le samouraï nickel. C'est cool. Ce costume. Genre ce costume. Genre ce costume là. Genre précisément. Garnement. Mais non. Ouais, alors déjà tu viens de mentir. C'est con. Merci bien. Mon dieu, ça va être... Ça va être... Ça... Bref. C'est cool. C'est cool. M'en fous. Ce costume est genre vraiment... Ce costume. Ce costume. J'en loute. Ouais, je me suis trompé de bouton. Ah, mais non, c'est le bouton Y, c'est vrai. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, il y avait un truc là-dedans. Donc, tu as remarqué le couteau, ce que tu n'as pas dit. Donc là, je vais représenter le couteau. Logique. Je crois. Enfin, il me semble. Peut-être. C'est un coup. Ouais, non. Tu le sais pourquoi? C'est bien. Exactement. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est aussi con que ça, franchement. Ça me paraît débile. Mais très con, surtout. Genre, mon dieu, mon gant est trop, je vais enlever le gant. Et ainsi prendre le risque qu'on me repère. Oh mon dieu, tellement de combats de fond bleu qui défilent derrière les têtes zoomées des personnages. Ouais. Et alors?
Bien sûr, il a bu trop de jus de tomate. Vas-y, c'est ça. Alors pourquoi parler? Non, tu m'expliques. C'est à moi. Que pensez-vous de la théorie de Monsieur Hunter? Je pense qu'elle est fumeuse. Je pense tout simplement que c'est une théorie fumeuse. Mais genre bien fumeuse. Je vais m'en ce que je veux d'ailleurs. Eh ouais, non, pas mon badge. Ni le bouton, mais le couteau. Qu'est-ce que tu en dis? Effectivement, pardon. Je sais plus ce que je veux dire, ça y est. Alors, tu m'expliques pourquoi il a ramené un couteau? Eh ouais! Réfléchis bien! Ça, c'est débile, je sais, mais... C'est pas professionnel, Hunter. C'est décevant! Tu me déçois! Effectivement! Dis-je avec le fond bleu magique qui défile derrière moi. Je veux ce fond bleu, il est trop bien. Effectivement. Pourquoi l'autre? Eh bien pour... Bah pour impliquer ma drogue. Bah excuse-moi mais ça me paraît un coup monté. Ça me paraît aussi con que ça. Aussi débile. Voilà voilà. Et j'objectionne ce que tu viens de dire. Non, ah ah, ça y est, t'es en train de craquer, tu me déçois. Oh là là. Ah bon. Réflexion intense. Ouais. Alors en fait, non. Non, faut réfléchir plus profondément, se mettre à son niveau, tu vois. Et attendez, il y a dans la chambre. Et si elle n'est pas venu voir Johan Corrida ou le ninja Belly. Après mûre réflexion, je pense savoir qui elle l'attendait. Tu attendais ce badge d'avocat. Non, je vais pas faire cette blague. Tu attendais ce personnage, n'est-ce pas? André Landry. Eh bien, c'est... Ah bah voilà. Eh bah c'est lui qui la présente. Hein. Bon, je... Cela ne sert donc à rien de préciser. Voilà. Ah là là. Allez, vas-y. Oh, oh putain. Bah non, mais faut que le juge cherche. Sinon, c'est pas drôle. Ah, ça y est, elle va parler d'un truc. C'est la déposition finale de ce personnage. Une certaine source. D'internet, quoi. Non, personnage, ça veut dire pour toi. On apprend les choses. Oui, je prends les personnages pour des cons. Je le sais. Elle a vu un personnage voler dans les airs. Ça lui fera un choc quand on lui dira que c'est une cape et un chapeau. Une statue plutôt. Diabolique. Mais on dit
Quoi? Mais c'est complètement con! Stupide! Débile! Voilà! 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 Bah regarde, écoutez donc Benjamin Hunter, il est... Voilà, il est déraco! D'accord, si tu veux. Oh, c'est tellement méchant. Oh, c'est tellement méchant. La descendre aux enfers. Magnifique clipage du costume. De échouette. Précision. Déjà, c'est faux. Et ouais. Une seconde. Je crois que j'ai trouvé. Ah, je suis génial. Parce que j'ai trouvé. Tu as volé l'appareil photo de Eva qu'il avait acheté. Je sais plus combien, mais je m'en contrebalance. Ouais, photographe d'investigation, tu veux bien avec des gros guillemets, s'il te plaît. Espiègle, c'est méchant, ça. Oui, elle m'a dit ça. Ses élucubrations à fonder, voilà. Ouais, on va plutôt dire ça. Exactement! Tu la sens la musique? Tu as perdu! J'adore cette musique! Ah, tu viens de t'accuser toi-même! Tu es dans la merde! Va donc te faire voir. Elle est complice de vol, monsieur le juge. Je demande réparation du préjudice subi. Tu le fais exprès. Je vais le dire plein de fois, tu le fais exprès, mais... T'es pas aussi belle que ça. Enfin, tu ferais... Oh. C'est faux. C'est faux, tu n'es pas un ange. Vas-y, je te laisse faire. Personne ne voit rien. Même le juge ne comprend pas ce qui se passe. Je monte la pression. Je suis en feu dans ma tête. Hein? C'est ça que tu dis? C'est ça que tu dis? Effectivement, tu es très très forte. Mais avant cela, c'est l'heure de la coupure parce que des gens viennent de rentrer chez moi. Oui, donc tu as volé ceci. Le jeu vient bien le ramer. C'était génial. Exactement. Et ouais.
Oui, qu'elle est pas gentille. Exactement. C'est du vol. Tu empruntes. J'en doute. Parce que tu... Ouais. Ah, je suis tout à fait d'accord. Ah ouais. Wouah. Comment... Le respect. Comment il fait respecter? Une seule photo. Vas-y. C'est moche. C'est très moche. Je tiens à le dire. Une autre personne. Merde. Zut flûte. Merci de me... De m'abaisser. Très sympa de votre part. Alors attention, moi je dis que... Eh ben ça ne va pas en fait, parce que ça se voit. Elle m'a paru bizarre, voilà, j'ose dire. Oh oui. Ça pourrait, mais en fait non. Et jette un coup d'œil à cette photo. Ça fait donc la deuxième que tu me donnes. Et bien moi je dis que... Alors faut que je vise bien. Là, si tout va bien, la musique s'arrête. C'est génial. Et ouais, tu la sens ma réflexion. Ah, c'est génial, vous êtes très très fort. Exactement. Comment ça, curieux? Il s'en fout de ce que je viens de dire, c'est super. C'est génial. Ah, j'ai envie de dire, c'est trop bien. Ah, c'est génial. Ah ouais. Effectivement. L'accusation, c'est de la merde. J'ai toujours dit. Comment cela? Comment? Ah oh. J'adore quand on me dérange, c'est super, ça casse l'action. C'est la même personne qui vient de me re-interrompre. C'est encore mieux. J'espère que ça va se finir.
Ma réflexion est simple. Qui est la personne prise en photo? Eh bien, je vais vous le dire. C'est ce verre. C'est André Landry. Parce que, j'ai envie de dire... Ça me paraît simple. Et ouais, le couteau. Exactement. Et ouais, c'est elle. On le savait tous. Un rebondissement, mes fesses. On le savait tous. Comment ça? Pardon? Comment ça une journée? C'est la baise. Qu'est-ce que je fais? J'ai formé une objection. Trop tard. Ah bah si. Rebondissement. Comme par hasard, c'est lui. Comment ça? Oh, le salaud! Espèce d'enfoiré, je te déteste. Ah, en plus! Génial, ça me laisse une chance de sauver Maya de la prise de âme de killer. Oh mon dieu, que ce procès est dur! Putain, la réflexion qu'il faut avoir. Ah, j'aime pas ça. Je vais ça, j'espère que juste que la prochaine partie va se terminer plus vite. Et bien, c'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, like, commentaire, abonnement, Twitter, YouTube, etc. Bon jeu, et à la prochaine.